Ouais, c'est parti pour une séance de petits jeux d'arcade avec ma borne adorée que j'adore. Allez, je vais me faire un petit Metal Slug, tiens. Oh ouais, ça va être génial. Metal Slug, où tu es? Tu es là, c'est parti. Je lance le jeu, je vais m'éclater sur ma borne adorée. Oh, que je t'aime, ma borne. Ah, ça y est, c'est parti. Allez, je vais mettre des petits crédits. Alors, un petit crédit. Bon, allez, c'est parti, hein. Allez, go. Ah, vas-y, lance le jeu, c'est parti. Allez, lance le jeu. Ouais, je vais prendre lui. Et puis, allez, c'est parti. Je vais tous vous bousiller, les ennemis. C'est parti. Ah, ouais, vous allez tous mourir. Ah, je saute, je vais tous les tuer. Ah, ouh, j'adore ce jeu. J'adore. Ah, ouais. Ah! Oh! Oh non! Non! Mais non, j'étais en train de jouer! Coucou, mamounette! Coucou, mamounette, ça va? Mais qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu hurles comme ça? Mamounette, j'étais en train de jouer à ma bande d'arcade. Tu sais que je l'adore, cette bande d'arcade. Hein, oui, là, j'étais en plein jeu. Tu sais ce qui s'est passé? Non, qu'est-ce qui t'est arrivé? Elle a claqué! Elle est morte! Mamounette, je vais plus pouvoir faire des jeux vidéo, c'est fini, regarde, y'a plus rien qui marche! Y'a plus rien, j'ai beau y taper dessus! Ah, elle veut plus marcher! Non mais Papounet, calme-toi, ça va bien se passer, tu vas te détendre et dans deux secondes tu vas être super content! Mais bah je suis pas sûr, elle marche plus, ma console! Mais si, Papounet, le site TomTop nous a envoyé une nouvelle bande d'arcade! Qu'est-ce que tu dis là? T'as craché, c'est dégoûtant! Tu craches sur la table? Oui, ils nous ont envoyé une nouvelle borne d'arcade. Est-ce que tu as bien entendu les mots qui sortent de ma bouche? Je crois, mais j'ose pas y croire, ma mamounette. Alors tu l'auras juste après le générique. Générique! Ma borne d'arcade, elle est morte. Elle est morte, ma borne d'arcade. Et nous revoici les petits copains, les petites copines. Mais Papounet, mais t'as déjà oublié que j'allais t'en donner une nouvelle borne d'arcade? Ah oh oui, c'est vrai. Ah, elle marche plus, celle-ci, hop, on la range et puis c'est fini. Oui, c'est vrai, c'est TomTop. Je vous mets le lien là, en barre d'infos. On a beaucoup de chance, tu vas être très content. C'est vrai. Tiens, c'est une nouvelle borne d'arcade pour toi. Oh, mais elle est toute mimi. Regardez les petits copains de copine. Elle arrive dans un boîtier. Elle ressemble beaucoup à celle que j'avais avant. Bon, écoutez, elle a l'air beaucoup plus compacte. Hein. On l'ouvre. Tu crois qu'elle est de quelle couleur, ma mounette? On prend les paris. Mon ancienne était rouge et noire. Mais je sais les couleurs qu'elle a. C'est vrai? Moi, je la vois blanche pour le moment. Bon, écoutez, les petits copines, je la sors. Regardez, elle arrive. Elle a la couleur d'une Ferrari. Ouais, tu me vois, ma mounette? Oui, je vois tes yeux. Je vois tes yeux. Une Ferrari? Une Ferrari, c'est rouge, ma mounette. Eh oui, tout à fait. Regarde, c'est une borne d'arcade toute rouge. Oh oui, regardez les petits copains, les petites copines. Oh, elle est bien protégée, il n'y a pas de souci. Oh, regardez comme elle est trop mignonne. Elle est super protégée dans son emballage. Donc, il y a des choses, il y a des câbles. Ma mounette, je vais te la procher pour que tu puisses la voir. Regarde. Oh, regardez ça. Waouh, elle est trop chouette. Alors, elle a la vraie forme d'une borne d'arcade, Papounet. Elle est magnifique. Ouais, l'écran est légèrement incliné, en fait. Alors, elle est assez lourde quand même. Oui, mais moins que la précédente. Hein. Voilà. Franchement, elle est plus légère. Des petits pieds pour qu'elle reste très stable. Le fameux joystick. Et puis, tout un tas de boutons. Et elle est très colorée, j'aime bien. Elle a un style très rétro. Hein. J'adore. Très années 70. Oh, c'est super. Les boutons, on a du bleu. Moi, je suis très couleur, tu sais. Ouais. Voilà, du bleu, du jaune et du rouge. Waouh. Et puis, tout un tas de petits boutons. Coucou les petits copains, les petites copines. Moi, je trouve qu'elle est beaucoup plus fun que l'ancienne qui est hyper lourde. Alors elle est très grosse, celle-ci. Elle est grosse. Mais alors, les boutons sont plus sympas. Le manche, enfin le joystick, répond au doigt et à l'œil. Oui. Écoute, pareil. Là, les boutons, ici, on a des boutons dédiés, Start, Select. Mamounette, j'ai envie de l'essayer. Ben, bien sûr. Allez, toi, t'es mort. Alors, elle vient avec un petit câble pour pouvoir la recharger, c'est ça, hein? Ouais, c'est ça. On peut la recharger. Alors, tu sais quoi, Mamounette? Il y a tout un tas d'entrées derrière. Regarde, on peut brancher une deuxième manette. Oh, c'est sympa ça. On peut même brancher un câble HDMI pour envoyer la vidéo sur la télé. Ouais. Toi t'envoies que des postillons toi par contre. Ouais, ça arrête pas. Et tu sais comment elle s'appelle, ma mounette, cette borne d'arcade? La Pokido. La Pokidi. Pokidi.
Pokino, Pokino, Pokini. J'aurais pas dû répondre à cette question. Et alors là, on voit qu'on a un beau haut-parleur. Je pense qu'il va y avoir un bon son, ma monnaie. Bon, j'ai hâte de l'essayer, on y va. Ici, on a mis la SD card avec beaucoup de jeux. Elle vient pas... d'ailleurs avec une SD card. Elle vient avec une SD card oui, de 32 gigas. C'est pas à nous de l'installer. J'allume. T'es parti. Allez. J'ai appuyé sur le bouton, donc là, elle... Elle est très polie. Elle est très polie. Elle est polie. Bonjour, elle c'est elle déjà polie, pas mal. Alors moi, je vais me mettre sur le côté, hein. Hop, c'est parti. Je pousse la vieille console qui est toute pourrie, toute morte. Ensuite, on arrive sur un menu. Alors, je vois que le son est branché. La batterie, on a trois petites barres, donc c'est pas mal. Hein. Est-ce que vous voyez bien les petits coins de copine, ça voilà, va on voit bien. Ça reflète pas trop avec les lumières. On est bien. On est bien. Tu peux la tourner. Non, elle était bien. Elle était parfaite. Comme ça, tu veux que je l'approche pour que tu vois de plus près. On est bien. C'est mieux comme ça. Vous voyez, on a 5 onglets. Record, jeu, vidéo, fichier et réglage. Eh ben, tu peux aller encore à droite, ma monnaie, il y en a encore d'autres. Non. Non, il n'y en a pas d'autres. Non, j'ai raison. Ah bah alors, je me suis trompé. Donc, effectivement, record, c'est pour enregistrer, c'est parti. Jeu, on va aller là-dedans. C'est pour jouer. Ensuite, on a vidéo, c'est pour lire des vidéos, car elle lit des vidéos, elle fait lecteur MP4, ma monnaie. Ah, c'est pas mal. On peut aussi écouter de la musique. Et puis aussi, on a des fichiers, voilà, puis les réglages. Hein. Bon, bah écoute, ma monnaie, moi, ce que je te propose, c'est d'aller dans les jeux. Oui, tout à fait. Allez, on y va. J'ai envie de lancer le même. Bah, vas-y, tu veux comparer. Bah, j'avais envie de faire une partie de Metal Slug, j'ai été coupé dans mon élan. Oui, faire une partie. Allez, on y va. Donc, je vais dans les jeux. Hop, j'accède. Alors, ma monnaie. T'es dans réglage. Je suis pas du tout. Il faut que je vois rien, ma monnaie. Bravo! Oui, bah oui, j'étais pas où il fallait, t'avais bougé. Ah oui, il y avait. Non, mais pas du tout. Si, j'aime bien dire que c'est de ta faute. Donc, est-ce que tu vois les icônes qui bougent là quand j'y suis? Eh oui, elles grossissent quand on passe dessus. Donc, je vais aller dans le jeu, pouf. Et là, dans le jeu, c'est extraordinaire parce que cette console, cette bande d'arcade, n'émule pas que les jeux d'arcade, elle émule tous les jeux de toutes les consoles. Ah bon? Eh oui, la Game Boy, la Mega Drive, la Super Nintendo, tout. La PlayStation. Tu en as trois pages de consoles. Hein. Oui, alors il y a la CPS, la FBA, la FC, GB, GB. Tu vois, puis il y en a d'autres après. Tac, 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 il y en a encore d'autres. Neo Geo, il y en a plein. Donc moi, j'ai envie de faire une petite partie de Metal Slug. Allez, c'est parti, petit coup de copine. On va se lancer Metal Slug 2. Ah, donc, on sélectionne. T'as vu, ma monnaie, on peut défiler dans les menus facilement. Hein. Allez, hop, 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 le voilà, c'est parti, on y va, je clique, qu'est-ce qui va se passer, ma monnaie, chargement, c'est bon signe, et là, 1, 2, 3, le jeu arrive, c'est pas top, vous vous dites, mais il n'y a pas de son, c'est normal, on a ici des boutons de volume, je vais le mettre. Ah, oh, sympa. Joli son, ma monnaie. Ouais, pas mal, ça fonctionne bien. Bon. Rajoute des crédits, tu vas perdre, insère des coins. Mais tu entends ce son? Metal Slug 2. Mais c'est incroyable, t'entends la puissance du son. Bon, on va laisser aussi toi. Ça va être génial. Là, il y a la lumière qui se reflète pas. Faut que ça arrête de bouger, voilà, là c'est bon. L'écran est génial, ta poulet. C'est génial, bon allez, j'y vais. Je mets des crédits. Et c'est parti. Oh là là, arrête, c'est comme une copine, je vais jouer, ça va être difficile. Waouh. Allez. C'est parti, j'ai sélectionné mon personnage. Je vais jouer comme ça, ma monnaie. Alors, le bouton, il est là. Ah, on s'entend mieux, ma monnaie. Il y a ces sons. Metal Slug, c'est un petit soldat qui va se balader. C'est oui, ça, voilà. Et il a des méchants, des ennemis, donc il les combat. Voilà. Okay. Voilà. Et donc, on a tout un tas d'autres jeux. Il y en a des milliers. Il suffit de faire retour en arrière à tout moment et on réaccède au menu. Voilà, là, on arrête le jeu, en fait. Hein. On va choisir le petit... Alors, moi, je vois pas trop ce que je fais. Là, hein. T'es dans Resume, Restart. Là, alors, comme je vois rien, je reviens. Hop, 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 c'est dans... Ici, voilà. Il faut quitter le jeu. Donc, tac, et voilà. Ok, et là, on revient au menu d'avant. Donc, on peut remonter, remonter, remonter. Et choisir un autre jeu. Bon, alors... Ma mounette, t'es emballé ou pas? Ben ouais, surtout qu'elle est hyper légère, finalement, par rapport à l'autre. Elle marche sur secteur, mais aussi avec une batterie. Franchement, les boutons sont trop, trop mignons. La manette répond au doigt et à l'œil, c'est le cas de le dire.
Il y a des boutons dédiés, ce qui n'était pas le cas dans l'autre, j'ai envie de dire. Ok. Hein, je vais arriver à le dire. Et puis surtout, derrière, on a toutes ces connectiques qui sont super balèzes. Franchement, je suis conquis, Mamounette. Ouais, j'adore son petit look rétro. Hein. Ouais, c'est rigolo. Elle est super. Elle est trop mignonne. Ouais. Mamounette, j'ai envie de jouer partout avec maintenant. Donc je vais l'emmener. Je vais l'emmener, mais en fait, elle est un petit peu grosse quand même pour mettre dans la poche. Tu vas faire comment pour la mettre dans ta poche? Comment? Eh bien, Mamounette, elle a la solution. C'est vrai? Eh oui, tout à fait. On va la rétrécir. On va prendre une presse. Non, pas besoin d'abîmer la bande d'arcade. Il existe la version Pocket. Non, une autre bande d'arcade. Oui, c'est la même. La même? En petit. Non, je te crois pas. Si. Non, et on l'a? Oui. Regarde ça. C'est Noël aujourd'hui, hein. Mais qu'est-ce que je faisais tout petit? Mais c'est minuscule, Mamounette. Donc c'est la même chose, elle a la forme du... Tu sais ces consoles à l'époque, la Game Boy Advance SP. Oui, celle qu'on ouvrait comme ceci. Voilà. Donc c'est aussi une Pokili. Bah c'est le même modèle. Bon, ben, oh, elle est rouge aussi. Mais oui, tu as raison, Mamounette. Elle est orange, celle-ci. Elle est orange. Alors on la découvre, le petit Covid copine. Oh, elle est trop mignonne. Oh, regarde, Mamounette, c'est presque pareil. Alors ça tient dans ta poche, ça? Ah oh, bah ça tient dans la poche, Mamounette. Donc pareil, c'est une petite console, même principe, qui vient avec un petit câble pour pouvoir la recharger. Hein. Il n'y a pas de pile, c'est une batterie à l'intérieur. Tout à fait, donc on a le câble qui est dessous. Donc pareil, si on veut écouter le son, on a une prise micro, on a un lecteur de carte SD, on peut choisir le volume. C'est génial. Bon, qu'est-ce que tu veux? Il n'y a pas mieux. Bon, les petits copains de copines, ce que je vais faire, c'est que je vais l'allumer, on va regarder ensemble comment elle fonctionne. Alors, je me rapproche un peu. Regardez, ici nous avons deux petits haut-parleurs, c'est génial. Ouais. Donc le son doit être pas mauvais du tout. Ici on a une croix directionnelle, on a des boutons, on a toujours le bouton Start Select, et on a ce bouton qui permet de revenir dans les menus. On a un petit écran sympathique, et regardez derrière, on a d'autres touches. Oh, c'est super sympa, Mamounette. Ici on a le bouton On-Off, et là, de quoi mettre une SD card. Qui vient avec d'ailleurs. Qui vient avec, oui, c'est une 16 giga. Pokili, c'est écrit ici, regarde. Pokili. Comme ça, tu diras plus Pokido. Pokili. Et là, on a la batterie, regardez, hop. Donc c'est une batterie de téléphone, non, donc on n'y touche pas. On peut la changer si jamais. Oui, si jamais elle lâche, on peut la changer. Vraiment, super bien conçu. On l'allume, Mamounette? Ah oui, parce que alors là, l'écran est petit, j'espère que la qualité est au rendez-vous. J'espère aussi. Donc là, je viens de l'allumer, je ne vois absolument pas ce qui se passe. Bon, alors c'est un nouveau menu qui vient de s'afficher. C'est vrai? Là, il y a quelque chose qui se lance et puis tu arrives sur ce menu-là. D'accord, donc là... Ah ben là, tu es directement dans le menu de tout à l'heure, c'est ça? Il y a toutes les consoles. Voilà, donc là, on a la PlayStation... La Nintendo Game GP, je sais pas quoi. Mamounette, elle connaît. La Mini, la Master System, ouais. La Mega Drive, la Game Boy. Ouais. Non, GG, Game Gear. Ouais. Mamounette, on dirait qu'elle passe le bac. Là. Ah oui, tu là, sais. C'est la matière. Comme les mots en anglais, là, tu sais, quand il faut les apprendre, là, l'infinitif. C'est. Ouais, c'est ça. Oui. On va dire que c'est ça. Ouais, hein, c'est une catastrophe. Bon, bref. Alors, moi, ce que. Ça va, il y a pire que moi. Oui, il y a pire que toi. Tu t'en es bien sorti, là. Merci, merci. Moi, j'ai envie de lancer le même jeu, du coup. Tout à fait. Donc là, je vois que tu as une petite icône Neo Geo. Ah ben. Est-ce qu'il se trouve à l'intérieur? Bah, écoute, Mamounette, je te laisse faire. Est-ce que tu vas y arriver? Oui. Allez, on va voir si une néophyte peut y arriver. Alors moi je te laisse faire, hein. c'est A et B pour rentrer dans les menus, start, je te laisse faire, je ne dis rien. Attends, hein. T'es perdu? Mamounette, n'y est pas arrivée. Mamounette, elle est pas douée avec les consoles, c'est pour ça que je la laisse faire. Attends, je la relance. On va rigoler. J'ai exité ou pas? Alors qu'est-ce que t'as fait? Est-ce que j'ai exité? Est-ce que t'as fait n'importe quoi? Je sais pas si j'ai fait exit. Elle m'a fait n'importe quoi, Mamounette, je ne sais pas ce que tu as fait. Je ne sais pas. Je crois que tu l'as éteinte surtout. Ah. Allez, je la rallume, les petits copains de copines. Deuxième essai. On va y aller. Heureusement, elle charge très très vite cette petite course. Ah oui, ça va bien. Mais cette fois, c'est Papounet qui va y aller. Allez, c'est parti. Donc, on est sur Neo Geo. Je sélectionne la Neo Geo. Et là, nous avons tous les jeux. Je ne sais pas si vous voyez. Ah, mais si, j'y étais là. Tu étais? Ah oui, j'ai juste fait exit à ce moment-là. Je me suis dit, tiens, c'est pas les bons jeux. Et si, regarde, on les voit ici, on voit le visuel. Donc là, on n'a plus qu'à chercher notre bon vieux Metal Slug. Donc, il y a M, là, on est à K. Hop. Ah, je l'ai vu, Mamounette. Je l'ai vu, il est là. Ah oui, bien sûr. Allez. Et tiens, tu le lances avec A, Start et Select pour mettre des crédits. Allez, vas-y. Est-ce qu'il se charge? Oui, c'est bon, j'ai l'impression. Je te laisse faire, moi je ne vois absolument rien. Je ne vois rien derrière. Moi non plus, je joue à l'aveugle. Qu'est-ce qui se passe, Mamounette? Alors, il y a un petit écran de chargement. Ouais. Écrit chargement, ça a l'air de se lancer là maintenant. Alors, tu sais qu'il faut mettre des crédits dans les jeux d'arcade, il faut les mettre des crédits, donc c'est avec Select. Bah, j'essaye d'en mettre, hein. Tu m'as dit écoute, Start. Écoute, ça marche.
Faut peut-être mettre un peu plus de son. Là, je mets des crédits, je mets des crédits. Le son est sur le côté, ma moulette, là. J'ai 15, 16, ouais, bah ça va aller. Eh, c'est bon, et bon. Allez, vas-y, fais start. Attends, on arrive sur le même écran que tout à l'heure. J'augmente le son. Il est à fond, là. Hop, c'est parti, on va relancer le jeu. Donc là, la mission 1. Allez, il débarque. Ah, est-ce que tu arrives, Mamounette? Ouais, ça va. Là, vous voyez Mamounette en train de jouer. C'est un grand moment, les petits coups de copine. Ça marche, Mamounette? Est-ce qu'on a des crédits illimités en termes d'armes? Mais oui, t'as. Oh là là, il y a un hélico! Oh non, je me suis fait péter. T'es morte à cause de l'hélico, Mamounette? Non, mais je fonce dans les bombes! Mamounette, je peux récupérer ma console? Non, attends, je vais péter l'hélico. Mamounette, ramène ma console! Ah, ça y est, je l'ai mis. Mamounette, je veux ma console! Mais oui, je continue. Ma console, ma console, ma console, Mamounette! Ma console! Tiens. Je veux ma console! Et oh, t'arrêtes de jouer avec ma console? Baisse le son. C'est génial, Mamounette! Est-ce que t'es très super content? Ou mais oui, je suis super content! J'ai ma bande d'arcade pour la maison et ma petite console pour l'extérieur. Alors, Mamounette, je suis ravi. Franchement, maintenant que l'autre soit morte, je n'en ai plus rien à faire. Franchement, c'est sympa les Pokidi de chez Tom Top, là. C'est super. Mmh. Et puis surtout, on a une carte SD, donc on peut ajouter des jeux. On peut faire évoluer nos petites bornes d'arcade, oui, et petites consoles portables, on va dire. Bon, Mamounette, c'était super, je suis très content. Donc, comme on vous disait, c'est le site Tom Top qui nous a envoyé Tom ça. Tom Top, c'est rigolo comme nom. Tom Top, Tom Top. Tom Top et Nana. Tom Top et Nana. Je vous mets le lien ici, voilà, il s'affiche. Vous pourrez retrouver ces produits. Il y en a plein d'autres. Il y en a vraiment beaucoup et c'est pas cher. Donc, ce sont des produits asiatiques qui arrivent au bout de quelques semaines et voilà. Bon, Mamounette, on se laisse parce que oui, moi j'ai envie de jouer à mon jeu. Bah oui, je suis sûre que tu es très impatient de les tester. Je veux jouer à mon aide. Tu vois les copines, j'espère que cette vidéo vous a plu. Likez, partagez, commentez, abonnez-vous, soyez sages. Et puis surtout, à bientôt dans une prochaine vidéo. Mamounette, on se laisse sur la petite poquille. Bah oui, parce que l'autre, si tu l'abîmes, on ne sait jamais. Elle est trop mignonne. Allez. Ah, la poquille.